know what to make. Oriental poison. Yo tout le monde, c'est Momo, j'espère que vous allez bien la team. Moi ça va pas trop aujourd'hui. Aujourd'hui la team, nouvelle vidéo avec Alex. En fait, je vous explique la team rapidement. En clair de je compte sur vous. Likez, partagez, abonnez-vous, très important. Mais bref, en fait hier, il y a eu un petit incident. Même un gros incident j'ai envie de dire. Mais bon, alhamdoulilah tout va bien, vous inquiétez pas. Mais bon, fallait qu'on fasse cette vidéo parce que c'est très bien, on vous dit à chaque fois tout. Tout le temps on vous explique tout, etc. Mais là en fait on est en Airbnb. Et on attend Abdel parce qu'en fait il s'est passé une dinguerie. On va tout vous expliquer dans cette et vidéo. Et c'est pas un prank, hein, on le précise. Voilà, je suis sûr c'est pas un prank. De toute façon, il y aura des vidéos à la preuve, etc. Des photos, c'est vous inquiétez pas. Mais bref, en fait, hier, je vous explique. On était posé avec Alex, etc. L'Airbnb, etc. Franchement, on avait dit faut qu'on se prenne une petite location, une petite voiture. Et moi, je vous dis la vérité, vous savez très bien, j'aime faire des Instagram, des Snaps, des vidéos YouTube avec des locations. C'est-à-dire qu'hier, on a contacté quelqu'un sur l'île qui faisait des locations. Et on lui a dit tout simplement que voilà, je t'ai connu. Et que si vous pouvez nous passer une petite location, ce serait nickel. Et hier, on l'a contacté, etc. Et cette personne-là nous a répondu oui, elle était partante pour nous passer une petite voiture. Il m'a dit t'as le permis. Je lui ai dit non, j'avais pas le permis, etc. Je vais tout expliquer. Mais bref, la personne-là nous a passé la location. Et l'incident est arrivé à la chim. Je vous expliquerai vraiment très rapidement. Ça, c'est un débrief rapidement. Ne vous inquiétez pas, il y aura une autre vidéo avec Abdel où il vous expliquera tout en détail. Mais moi, je vous explique juste pour vous tenir au courant. Pour vous dire que tout va bien, etc. Parce que vous n'avez pas eu de news depuis hier sur mon Snap, Insta, de partout. Hier, en fait, on a accidenté la voiture. On est arrivé sur un rond-point, en fait, assez rapidement. Et je vous expliquais comment s'est passé cet accident. Je suis arrivé sur le rond-point à la team. Combien 100 à peu près, 90 100. 100, plus 100 que 90. Je suis arrivé vraiment vite. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai freiné et j'ai pilé. Ça veut dire que la voiture, elle n'a pas freiné, elle a pilé. C'est-à-dire que les pneus sont bloqués. Et du coup, bah, on a tapé le trottoir du rond-point. Et en fait, ça a arraché tout le devant de la Mercedes. C'était une quoi comme Mercedes? Une CLS 53 MG, je crois. Voilà, ça a tapé tout le devant. Les deux pneus sont tapés, les jantes sont tapées. Le pare-choc, il a tapé. La calandre, il a tapé. En fait, tout le devant, il a tapé. Et en fait, on a pris un petit. Comment ça s'appelle? Un petit arbre. Un petit buisson arbre. Sur un rond-point. Un ça buisson. Et en fait, il a arraché en bas le radiateur de la voiture. Mais du coup, voilà. Moi, je vous explique vraiment ça rapidement. Comme je l'ai dit hier, franchement, j'étais dans une. J'étais perdu, je savais pas quoi faire. Je savais que j'avais merdé, je savais que ben, j'avais tout niqué en fait. Je savais que j'avais en fait, vraiment n'importe quoi. Il y a une morale à tout ça déjà, c'est que. En fait, là, je vous dis ça aujourd'hui comme ça, je vous explique ça tranquillement. Ouais, parce qu'il a réfléchi. Parce que je suis à tête reposée, je suis à tête reposée. Ça s'est passé. Mais hier, la team, en fait, quand ça s'est passé, je vous jure, je me suis dit, Momo, qu'est-ce que t'as foutu? Parce que voilà, comme je vous dis, après, on est. Je remets pas ça sur l'excuse de on est jeune ou quoi, la team. Mais vous savez très bien. On aime bien des fois tenter le risque, tac-tac, conduire sans permis, on aime bien tenter le danger et tout, etc. Et comme je dis, des fois on se rend pas compte, mais voilà que c'est super grave ce qu'on fait. C'est super grave. Et voilà qu'on se rend pas compte du danger du truc, du danger qu'on peut mourir, qu'on peut tuer quelqu'un, etc. En plus, moi je suis pas Abdel, mais entre guillemets, je t'avais prévenu déjà. Lui, je dis la vérité, Alex, c'est le seul hier qui me disait Momo, fais pas ça. Momo, t'es même pas à Grenoble, etc. Même à Grenoble, tu fais pas ça et tout. Mais bref, ouais, mais c'est Alex, c'est le seul qui me disait on hier. Il peut mettre la vie des autres en danger, il peut mettre sa propre vie. T'as pas de permis, t'es mineur en plus. C'est, en fait, c'est super dangereux. En fait, la vie, c'est pas GTA. C'est pas. Tu prends une voiture, hop, tu conduis. Vraiment. Alors, il sait conduire un petit peu, etc., etc. De là à conduire une CLS 53 MG, même moi qui est majeur, qui a pas le permis, j'ai dit je ne monte pas dedans. J'ai déjà peur juste de monter dedans. Parce que c'est un danger, une voiture c'est un danger, c'est un danger pour les autres, c'est un danger pour toi, c'est... En fait, c'était un danger hier. En tout cas, voilà, comme plus je vous grave dit, que ça. Heureusement. Cette vidéo-là, on vous la fait vraiment rapidement, juste pour vous tenir au courant. Ne vous inquiétez pas, il y aura une autre vidéo avec Abdel, où on va tout vous expliquer en détail, toute l'histoire. En détail, détail, détail. S'il faut qu'elle dure une heure, la vidéo durera une heure. Mais c'est pas un prank en tout cas. Mais bref, je vous jure, c'est pas un prank. De toute façon, dans la vidéo de 23h, c'est ça? Ouais, de toute façon... Je verrai dans l'une des deux, je vais vous mettre des extraits de toute façon dans les deux. Il y aura des vidéos où il y a la voiture accidentée, etc. Vous inquiétez pas. Mais en tout cas, ce que je vais vous dire depuis tout à l'heure, ce que je vais vous dire, c'est que voilà, des fois on se rend pas compte de ce qu'on fait. Des fois on fait des choses sur le moment, on se dit vas-y go, ça y est go. Mais bref, ça peut emmener des graves conséquences. Et comme j'ai dit, là je suis peut-être reposé, c'est pour ça que j'explique ça tranquillement. Hier du coup, j'arrivais même pas à parler, j'étais tellement en mode choqué, en mode ouais, j'ai cartonné une voiture à 100 000 euros, qu'est-ce que je vais faire? Hier j'étais comme ça. Là, j'ai eu toute la nuit pour réfléchir, on a bien réfléchi toute la journée. J'ai bien parlé avec Alex, avec tout le monde, etc. Mais bref, vous inquiétez pas, vidéo après qui arrive, où on vous explique tout en détail de A à Z. En tout cas, voilà, je vous jure que c'est pas un prank. Sinon, on vous aurait dit à la fin de la vidéo, là maintenant c'est un prank. Mais bref, en tout cas, c'était La Flèche, c'était Momo.
On se retrouve après pour la vidéo avec Abdel, on vous explique tout en détail. Restez branchés, mettez la cloche de notification. Et surtout, retenez bien la leçon. Voilà, comme j'ai dit, retenez bien la leçon. Si vous êtes mineur, si vous n'avez pas le permis, les gars, même si vous savez conduire, ne prenez pas le risque, parce que dans tous les cas, tout va retomber sur vous, sur vos parents ou sur vos proches. Donc faites attention, s'il vous plaît, parce que vous mettez vos vies en danger, la vie des autres en danger. Et ça aurait pu être vraiment beaucoup plus grave que ça. Là, ça va. D'être vous, j'aurais pu mourir dans cet accident, j'aurais pu tuer quelqu'un. J'aurais pu tuer quelqu'un. C'est pas le fait que j'aurais pu mourir, le pire, c'est que j'aurais pu tuer quelqu'un. Et Abdel, en plus, hein, lui a dit avant de partir, hein, il lui a dit, si tu prends, ne prends pas de loc. Il a dit, ne prends pas de location, ne prends pas de voiture, parce que si tu tues quelqu'un, tu vas payer toute ta vie. On avait parlé de quoi avec Abdel. J'ai dit, Abdel, est-ce que tu me fais confiance et tout, laisse-moi prendre une location. Il m'a dit, Abdel, non, parce que j'ai pas envie de te mettre en danger. J'ai dit, oh, mais fais-moi confiance et tout. Après, il me dit quoi? Il me dit, moment où, voilà, que si je t'aimerais pas, je t'aurais laissé la prendre. Et du coup, ben, je l'ai pas écouté, je l'ai pris, ben, regardez, le bon Dieu fait bien les choses. Je l'ai cartonné à la fin. Écoutez les gens, des fois. Et des fois, ben, écoutez votre famille, hein, je vous jure, des fois, vous vous dites, oh, dites de la merde. Mais quand à la fin, vous cartonnez, vous faites quelque chose derrière, je vous jure que vous vous dites dans votre tête, putain, j'aurais su, je l'aurais pas pris. Vous vous dites ça, mais quand c'est trop tard, ben, mon pote, t'aurais dû te dire ça avant de la prendre. Moi, j'étais en train de faire ma Saint-Valentin, j'étais bien. Ouais, je vous dis la vérité, la flèche, il faisait sa Saint-Valentin avec sa petite copine. Ouais. Quand il a appris le drame. En tout cas, désolé mon frérot, hein. T'as dû être tout chamboulé quand t'as ça. Pas, je dis, tu sais quoi, rentre chez toi, c'est pas grave. Hein. Mais bref, c'était la flèche, c'était mon mot. Restez branchés sur la chaîne, mettez la cloche de notification. Sur la vidéo d'après, on vous montrera toutes les preuves, etc. Mais je vous jure que c'est pas un prank, la team. C'était la flèche, c'était mon mot. Ciao.